voir l'homme de Dieu. Sous vos acclamations, sous vos acclamations, j'aimerais donc appeler l'homme de Dieu, le roi de Dieu, la bouche de Dieu, le puissant de Dieu. Le piano et les chants vont parler ce matin. Parce que nous allons faire un culte de gloire. Alléluia. Que quelqu'un lise la parole, s'il vous plaît. 1, Jean 1, 47. 47, 48. Amen. Amen. Reparle le verset 46. Pose la même question à ton voisin ou ta voisine. Peux-tu venir quelque chose de bon en toi? Acclame Jésus. Non, acclame Jésus. On dirait que ma famille de père est plus chaude que la famille de Genève. Alléluia. Parce que je vois des femmes de père. Nathanaël dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Alléluia! Ce matin, je pose la question à quelqu'un. Peut-il venir quelque chose de bon en toi? Peut-il venir quelque chose de bon en toi? Et devant la voix, prions pour la parole de Dieu. Seigneur, je crois que quelque chose de bon pourra sortir de ma bouche. Parce que je ne suis qu'un instrument. Efface ma personne. Les quatre esprits de Dieu qui vont commencer à souffler. Et un fond nouveau qui va toucher des personnes. Parce que ce message est destiné à quelqu'un qui est ici dans cette salle. Ce message n'est pas un message enfin. Que peux-tu sortir de bon en toi? En toi, c'est une nouvelle personne. La Bible déclare, lorsque quelqu'un vient à Christ, devient une nouvelle créature. Regarde comment la soeur commence à jubiler. Parce que c'est une nouvelle créature. Elle a reçu la promotion ce matin. Mesdames et messieurs, quelqu'un reçoit la promotion de Dieu. 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 Alléluia. Il est dit, que peux-tu sortir de bon en toi? On n'a pas vu en toi une personne capable. De soulever cet état, de faire parler d'elle. Que peux-tu sortir de bon en toi, Manu? On dit non, tu es parti prendre une africaine. Mais c'est absurde. Comment un blanc comme toi, tu es parti marier une africaine? Dis à l'heure que j'ai trouvé mon Jésus. Mon Jésus sur le chemin a dit que c'était ma corde. Parce que ma corde, j'écrirai mon histoire. Si tu dis amen, tu reçois. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Ne pleure plus. Sois de la joie. Parce que Nathanaël était assis sur son âne. Nathanaël était en train de penser à ses problèmes. Nathanaël assis ne savait pas comment résoudre ses problèmes. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui était aussi assis comme moi hier. Moi hier, j'étais assis dans mes problèmes. Hier, j'étais assis dans mes canons. Hier, j'étais assis dans mes diplômes. Mais un jour, ce visage est sorti dans un mur. Alléluia. Alors que j'étais en train de travailler, même mon colonel m'a dit, mais c'est quoi cette affaire? Je dis, cet homme de Galilée est apparu d'ici. Je n'étais pas la seule. Je n'étais même pas la seule personne. Et lui aussi a vu. Et cet homme de Galilée est en train de dire, j'étais choisi pour aller annoncer une bonne nouvelle à la Suisse. J'étais choisi pour aller annoncer une parole pour la libération de la Suisse. Alléluia. Tu es en Suisse. Tu te trouves aujourd'hui à Genève. C'était le rendez-vous de recevoir. Tu te trouves aujourd'hui à Genève. C'était le rendez-vous pour toi de prendre ton miracle. Si tu dis amen, tu auras son miracle. Que peux-tu sortir de bon toi? Mesdames et messieurs, il y a des personnes qui se posent des questions sur ton problème. Et eux-mêmes, ils disent, que peux-tu sortir de bon toi? Alléluia. Eux-mêmes, ils ne voient pas en toi une personne capable de diriger un état. Eux-mêmes, ils ne voient pas en toi une personne capable de changer la vie des gens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non pas par les liens du mariage. Il y a quelqu'un qui dit amen trois fois qui va recevoir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit trois fois, il va recevoir.
recevoir. Non pas de devenir enfant par la chair, ni par la volonté du sang, ni par l'amour de ton père et ta mère. Mais tu es enfant de Dieu à cause de cet homme de Galilée, à cause de ce Nazaréen qui a bouleversé le monde. Toi, tu vas bouleverser cet état. Tu vas bouleverser le cours de l'histoire de ta famille. Tu vas changer la vie des gens. Parce qu'en toi se trouve une parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet homme de Galilée. Cet homme qui était sorti le troisième jour. Et cet homme qui a ressuscité les morts. La terre ne pouvait pas le contenir. Ni même les situations de tes factures. Ni même ton mari qui t'a abandonné. Ni même les problèmes de tes papiers. Ni même un problème d'une situation quelconque. Mais cet homme de Galilée, il est rendez-vous ce matin. Tu dis Amen, tu reçois. Et une femme est en train de se poser des questions. Mais quand et où je vais accoucher? Mais quand et où je vais libérer? Alléluia! Quand et où je vais libérer? Ma fille, tu es bénie. Tu dis Amen trois fois, cette gloire arrive à toi. Oh, ma chakalaba, parce qu'il est sorti le troisième du jour du tombeau. Il est sorti du tombeau avec ton miracle. Il est sorti du tombeau avec ton accouchement. Il est sorti du tombeau avec ta vie. Oh, alléluia. J'ai dit, il y a quatre êtres dans la salle. Tout à l'heure, on va passer dans le prophétique. Mais avant de passer dans le prophétique, je tiens à annoncer une parole de liberté. Une parole qui sort des raisonnements. Une parole qui sort des questionnements. Des fois, lorsqu'on se tient devant un micro, des gens te demandent, mais cela raconte des balivernes futures. Cela raconte du n'importe quoi. Mon ami, je ne tiens pas un discours pour pouvoir nourrir les espoirs à quelqu'un. Mais je tiens un discours qui sort d'une parole, qui sort d'un livre qu'on appelle la Bible. Et cette parole, c'est la parole de vie, c'est la parole de liberté. Et cette parole vient dans ta vie ce matin. Tu dis Amen, tu reçois. Tu bien la même fort. Amen. Amen. Je dis, je suis d'accord. Dieu sera d'accord avec ta vie, ta nouvelle vie. Parce que lorsque tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Nathanaël, lorsqu'on l'a dit, tu étais assis sur cet arbre, je t'avais vu avant même que tu ne viennes ici. Il dit, c'est vrai, tu es le Messie, le roi que je devais attendre. Parce que lorsque Jésus l'avait parlé, Nathanaël a compris, cet homme et moi on peut marcher ensemble. Cet homme et moi on peut aller plus loin. Quels sont tes amis? Je te dirai qui tu es. Quelles sont tes fréquentations? Je te dirai quel sera ton temps de venir. Quelle est la situation de ta vie? Je te dirai, Jésus est la solution à tes problèmes. Tu dis Amen, tu reçois. Oh, tu viens dans une forme. Quel est ton ami? Quelle est ta vie? Je te dirai qui tu es, si tu me réponds qui est ton ami. Mais quelle est ta situation? Je te dirai qu'il y a Jésus dedans. Il faudrait que ça sente mauvais. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là-bas où les anges commencent. Mais là où les anges s'arrêtent, on appelle ça le miracle de Dieu. Parce que le conseil est de sage. Les 24 vieillards, ça fait que toi et moi, aujourd'hui, on devait parler de ce message de liberté. Mesdames et messieurs, regardez cet enfant qui est sorti de Nazareth. Alléluia, d'un pas plus quartier. Je ne connais pas ta situation sociale. Je ne connais pas ton positionnement du travail. Peut-être pour toi, tu nettoies toujours. Peut-être pour toi, tu es là en train de parler. Mais mesdames et messieurs, regarde cette parole. Il dit, avant que tu ne parles, avant que tu ne nettoies le bureau de ton patron, lui te connaissait. Il t'avait choisi. Il t'avait choisi pour annoncer des oracles, pour changer le cours de l'histoire. A dit Amen fort. Fini la tristesse. Fini l'angoisse. Fini les problèmes. Fini les désolations. Fini les pleurs de nuit. Fini tous ces questionnements à je ne sais où. Car la parole de Dieu déclare, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Oh, mon frère, le bonheur et la grâce t'accompagnera. Ton appel, oh, ma kayaba, c'est que le mot. Hey, ma yakente le mot. Le bonheur et la grâce t'accompagnera, ma fille. Tous les jours de ta vie, tu témoigneras des grandeurs de Dieu. Parce que tu as accepté Christ, parce que tu as entendu ce message. Change sa manière de penser. Quitte sous cet arbre qui te retient. L'arbre signifie, l'âme est enracinée à la terre. On est toujours attaché à la terre. On est toujours attaché aux problèmes de nos familles. On est toujours lié aux problèmes de nos coutumes. On est toujours lié à nos mauvaises habitudes. Alléluia. Mais quitte sous les mauvaises habitudes. Prends la parole de Dieu. Dis Amen. Amen.
Dis à quelqu'un, tu es né pour être un signe. Non, dis bien. Mon fils, tu es né pour être un signe. Voici un vrai guerrier. Tu as bien pu son amen. On dit, tu es né pour être un signe. Ton S sera écrit sur lui devant. Alléluia. Je suis un peu ses impressions, voilà, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez ressenti, vous personnellement, de ce message de la part de Dieu? D'accord, donc je m'appelle Préférée, j'habite à Berne, et il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de surprise avec Dieu. Lorsqu'on part avec le cœur ouvert, c'est la première fois que je pénètre dans cette église, je suis venue sans aucune appréhension. Sans aucune angoisse. Je savais déjà qui allait prêcher, je savais ce qui allait m'attendre, mais j'ai été doublement et abondamment bénie. Donc tout ce que je peux faire, c'est de remettre cette église dans les mains du Tout-Puissant, afin que vraiment son œuvre, l'œuvre, la vraie œuvre, parce que c'est ce que nous recherchons, nous ne voulons plus des paroles en l'air, mais nous voulons nous baser sur les Écritures, sur les livres. Nous ne voulons plus que ce soit des interprétations de l'homme, mais des interprétations de celui qui est touché par l'Esprit de Dieu. C'est ça que nous attendons comme message. Et c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui et c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc je bénis cette église, je bénis aussi tous ceux qui sont autour de nous ici, ainsi que vous qui m'interrogez aussi. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous au nom de Jésus. Amen. En tout cas, merci. Na pamboli nzambe na oyo sosi koleka wa pendant deux semaines, tozi bénédiction, tozi o nzambe ya motu ya nzamba pe biso. En tout cas, nzambe a pambola. A pambo la bishop na o eleki vraiment to fi ya motuya to vivre vraiment o nzamba pe biso bele nzamba pambo la ye nzambe a continue sous ko sala kati na ye ya motuya a ko libre ko sa ko ni ka sou na ko reveler o eza kaché. Merci.